activiste pour la paix. I'm not a couturier. Oh, super class! Reste là, Alice. Levez-vous, class! Dites à Alice merci! Merci. Dites à Alice merci pour ta service. Un, deux, trois. Merci Alice pour ta service. Et classe, applaudissez là. Et sautez. Et ça c'est fantastique. Il fait chaud. Okay. Alice, merci, tu es fantastique. Ok. Greg, Don. Quand? When? Nicole avait 16 ans. Est-ce que Nicole conduisait bien ou mal? Mal. Mal ou très mal? Très mal. Ok, et quand? When? Meilleur. Classe, elle fait des progrès. Tu as du talent. Tu es talentueux. Une activiste très talentueuse. Quand? When? Nicole avait 17 ans comme Paxton. Est-ce que Nicole conduisait bien ou mal? Mal. Mal ou très mal? Très mal. Très mal? Yeah. Oh wow! les talents de Nicole en diminué de 16 à 17 ans, ses aptitudes sont diminuées. Alors, désolée, Julia. Je pense que Julia est une personne très gentille. Pas méchante comme Cruella. Cruella est méchante. Nicole, Nikki, ma soeur, elle est méchante. Julia n'est pas méchante. Elle est gentille. Elle dit, ah, Paxton! Elle conduit comme ci, comme ça. Mais, en réalité, nous sommes des parents. P-A-R-E-N-T-S. Class, parents en anglais. Parents. Ouais. On est des parents ici. Et les parents savent que les fils et les filles de 16 ans et de 17 ans ne conduisent pas bien. Ils ne conduisent pas comme ci, comme ça. Ils conduisent très, très mal. Mais tu, Marie, super, tu es gentille. Tu dis, ah, comme ci, comme ça. Tu es une bonne sœur. In French, bonne sœur also means nun. You're practically a saint. Religieuse ou bonne sœur? Religieuse. Religious person, right? Or bonne sœur. And then there's les garçons, comme Greg, sont des moines. Des moines, des religieuses. What's a boy? What's a boy now? A monk. Le moine. Like Des Moines, Iowa? Originally it was some. It literally means some monks. Some monks. Who do you think was there first? Some monks. Des Moines. Des Moines. First Nation. Au Canada. On dit Des Moines. No. Des Moines. Des Moines. Des Moines. Et religieuse. Pas moine en anglais. Non. Ce sont des garçons ou des filles?
Des hommes ou des femmes? Des hommes. Des hommes. Et ce sont des femmes ou des hommes? Des femmes? Elle a lu tous les livres. En classe, combien de livres? Sept. Sept livres. Sept. Ouais. Tous les sept livres. Elle a lu tous les livres de la série Harry Potter exactement comme Dawn. Dawn, tu as lu sept livres? Oui. Quel livre était ton livre préféré? Quel numéro? Tu sais? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah, super! Tu as raison, je ne sais pas non plus. You told me you don't know. Ça, c'est correct. Si Dawn ne sait pas, je ne sais pas. Je ne suis pas psychique. Ton livre préféré est l'Ordre du Phénix. C'est vrai? Wow, classe! Je suis psychique! Ok. Ma peur, ça méchante. Et terrible sœur qui s'appelle Cruella de Vil. Oh, ça, c'est normal. Elle est méchante. Comme Cruella. Elle est terrible, comme Cruella. Ça, c'est normal? Elle s'appelle Cruella de Vil? Non. C'est normal? Non. Non. Oh, c'est pas normal? Classe, normal en anglais. Normal. Classe, la sœur de Robert est méchante et cruelle et terrible. Et elle s'appelle Cruella de Vil. Ça, c'est normal? Pour Cruella. Pas pour la sœur de Robert? Je ne sais pas. Et Robert, pense. Elle s'appelle Cruella de Vil. Ta sœur. Ça, c'est normal ou pas normal? Oh, pas normal. Ok, ça va. À mon avis, c'est normal. Je suis bizarre. Je suis étrange. C'est évident. Ça se voit. Ok. Pauvre petit Robert. Sa méchante et terrible sœur, qui s'appelle Cruella de Vil, est aussi intelligente. Et le pire. Le meilleur? Non. Le pire? Le pire. Ouais. Le pire est que Cruella est plus âgée et plus grande que pauvre. 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 Oh, classe, regardez Robert. Oh, il est content ou triste? Triste. Oh, Robert, désolé. Est-ce que tu veux que je rends visite à la classe de Cruella? Est-ce que tu veux? What's the? You want? Tu veux que je rende visite? Classe, visite. Ouais! Est-ce que tu veux, Robert, que je rende visite à la classe de latin? Ou Ok, Olivia, deux étoiles. Olivia! Wow, Olivia est mystérieuse. J'ai
suis stupide. J'ai oublié. Show me forgot. J'ai oublié. J'ai oublié d'écrire. That's right. Le nom d'Olivia. Oh. O majuscule. L majuscule. I majuscule. V I A. I A. E. 4 étoiles pour Olivia, la fameuse Olivia. Robert. Tu es, à mon avis, tu es triste. Et je suis méchante, moi. Est-ce que tu veux que je rende visite à la classe de latin de la terrible Cruella? Ah. Robert, tu es gentil, comme Julia. Classe, regardez le pauvre petit Robert. Sa sœur est terrible. Et il est gentil. Applaudissez-le. Dites-lui, oh désolé Robert, dites-lui, désolé Robert, 1, 2, 3, désolé Robert, oh le pauvre, il est tellement gentil, et sa sœur, terrible, est tellement terrible, le pauvre. Okay. Greg. Greg était très fatigué. Oh, Don, tu étais fatigué aussi, n'est-ce pas? J'ai dit, qui? Et tu dormais. Oui. Mais ça va. Je te pardonne. Merci. Oh, de rien. Ça va? Ça va bien. Okay. On va bien? Toi et moi? Oui. On va se battre? Okay, non, ça. Ok, Greg. Il était dans le passé. Entre 2007 et 2009, Greg était super fatigué. Okay? Il a beaucoup dormi entre 2007 et 2009, sur la lune même. Et de la lune, Greg a regardé la Terre. De la lune, de loin, comme ici, sous, dans, très loin. Et grâce, il a regardé la Terre de loin ou de très loin? De très loin. Et grâce, la Lune est très loin de la Terre. Il a regardé la Terre, Il a vu juste seulement un petit film de Harry Potter. Le pauvre. Classe. Dites-lui, oh pauvre Greg, 1, 2, 3. Oh, class, dites-lui. Désolé, Greg. 1, 2, 3. Désolé, Greg. Greg dit à la classe, merci, class. Merci, class. Ah, super. Okay.
mal. Woo, plus, okay. Oh, bon anniversaire, Eli. Okay, okay. Je vais compter les chandelles. Je vais vérifier qu'il y en a 13 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et demi! Class activity! Wow! Et ce n'est pas une classe de mathématiques. Excellent! Excellent boulot. Excellent travail. Oh, et classe, regardez le gâteau. Il est content? Non. Il est triste. Il est triste parce que sa partie inférieure est brûlée. Oh. Et classe, la partie supérieure, elle est brûlée ou pas brûlée? Pas brûlée. Okay, cette partie, et classe, partie en anglais. Part. Ouais. Cette partie, la partie supérieure, en haut, pas en bas, en haut, la partie supérieure est pas brûlée. Et cette partie, la partie inférieure, est brûlée. Complètement brûlée. Alors, donc, il est triste. Il pense, oh non, je suis brûlé. Ma partie, en bas, elle est brûlée. Je suis brûlé. Et il pense à Eli. Il pense, oh non, ça c'est, je suis le gâteau d'anniversaire de Eli et je suis moitié brûlée. Oh, et classe, regardez, ça c'est la tour Eiffel canadienne. C'est comme le drapeau de Canada, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Le drapeau. Ouais. Comme ça. Ça, c'est le drapeau américain. OK. Et ça, cette feuille est sur le drapeau canadien, n'est-ce pas? Oui. Et classe, le drapeau américain est de 3 couleurs. Bleu, blanc et rouge. Et classe, pensez au drapeau de la France. C'est aussi. Bleu, blanc et rouge. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tricoloré. Un, deux, trois. Comme un tricycle. Tricoloré. Did you want this camera? Oh, you're so wonderful. Oh, mon ami est arrivé. Classe, applaudissez. Et Robert vient de remarquer. Bien. N'est-ce pas?
always get your way. Myra est stricte. Elle est fille unique. Est-ce que Greg est strict? No. Il est fils unique. Oh, le fille unique. So strict. Le fils unique, pas strict. Hey, Ilan, tu es strict? Il est fils unique, les filles uniques sont strictes. Dans les strictes, Pascal est fille unique. Tandis que Greg est fils. Whoops. So I was about to write it like it sounds. Sounds like F-I-S, right? Fils. Oh. Unique. Et pas strict. We're gonna read this together in English, okay? Un, deux, trois. Sean, ready? Yeah. One, two, three, go! The French was. There are. This is what you should start your story with, right? What does that mean? There are. It literally means it has there. But whatever. It means there are. Or there's. It means both. Okay. One, two, three, go. There are 11 and a half people. Brett is a half person. He's a half person. In our French class. Belle is two, and her brother is the fourth little Robert, who loves science fiction. In French, you have to say la, even though in English we don't. We say he loves science fiction. In French, it's very rare that you just have a word by itself. So la is the, but it's not there in English, right? He loves science fiction, it's just there in French. Okay, one, two, three, go. Eli loves video games. Same thing, right? He loves the video games, but we don't say that. This is why when you hear somebody talking in a different language, sometimes French people be like, I love the cheese, right? Because they're translating like we do from our minds into French. They do the same thing when they talk in English. And one, two, three, go. And Julia wants to go to Hawaii. You notice this word is to go? It's only one word in French, it's two words in English. This ER is the part that means to. So read that again. One, two, three, go! And Julia wants to go to Hawaii. Has gone. Is gone, literally. But what would we say? Has gone. Or went. One, two, three, go! Alice went to Hawaii with two children. Sean is the professor of Spanish. Teacher of Spanish, a Spanish teacher. Jonquito is the profesito of Spanish. Here's what? Last night. Yes, Swar. Last night. One, two, three, go. Last night. Belle went. Same thing, right? To the restaurant. So this is at the. Oh, was at. Ah, and le, okay? So that means at the. Okay. We'll start at yesterday night, okay? When one, what we say went to? Went to the. Oh, sorry. It could also mean at. Yeah. Okay, so to. This is, in this case, it's to the, okay? So. Look, it's weird. Two words in English, one word in French, two words in French, one word in English. That's why you hired me. Okay. One, two, three, go. Last night, Belle went to the Westo Brewery. Yeah, restaurant. Olivia said so well, really well. Where? And she smiles. Dawn is strict. Whereas Greg is a boy. So is not less strict. And not strict. Excellent. Let's have pretty simple.